15 centimes pour un opérateur qui est par exemple la personne qui est là, c'est-à-dire la personne qui est le marchand, qui approche les animaux, voilà, qui assure le transport et la sortie des animaux des fermes. 45 centimes. Ça veut dire, pour faire simple, sur un animal, plus de 200 euros quand même, c'est pas anodin, pour l'abatteur. Et tout ça, ça fait un prix final. Et vous savez, et on est entre nous, allez, peu importe d'ailleurs si c'est des journalistes, vous savez ce que les gens de Lune ou de Carrefour ont pu dire, c'est qu'au final, le prix magasin, on est grosso modo, pour tout le monde, arrivé ici à 5,20 euros, 30, 40. C'est ça les prix. Et vous vous apercevez qu'en fait, le calcul que je viens de vous faire, on arrive sur ces prix-là. On arrive. Ça veut dire qu'entre vous et moi, il y a une perte en charge qui est énorme. Ça, il faut vous y intéresser. Bah oui, mais moi, je n'ai pas forcément le temps de courir partout, d'aller les acheter moi-même dans les fermes. Hein. Oui, mais enfin, vis-à-vis de votre consommateur, lorsque vous mettez ça à l'entrée, parce que ça c'est quelque chose que j'ai enlevé à l'entrée. Qu'on remettra, on n'est pas là pour vous dire pas de sujet. Bah, je sais pas, heureusement. Et bien, ça, quand vous mettez ça, je veux dire, ça, votre consommateur, il le lit et c'est mis telle sorte. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, mettre ça sans qu'il y ait un minimum, quand même, de garantie que les propos qui peuvent être tenus soient vrais. Depuis toujours. Heureusement, il y a du est-ce qu'on peut avoir des choses qui ont été. Des animaux qui sont achetés. Ça dépend. C'est le monsieur, parce que j'ai demandé monsieur, il m'a demandé qu'il fallait demander. Éventuellement, dans ce cas-là, on se voit dans un bureau. Non, mais le sujet, je vais vous dire où est. Mais heureusement, oui, mais enfin, c'est le PIB payé aujourd'hui chez Intermarché, heureusement qu'ils ont signé quand même des contrats avec des éleveurs, avec plein de choses. Non, parce que. Vous savez comment ça marche, les contrats ?